forcément cette année de Jeux Olympiques. On va essayer de suivre les exploits de nos différents athlètes français. On a aujourd'hui des athlètes qui traversent l'Atlantique pour aller jouer dans les championnats américains. Ils tiennent à représenter la France, le pays, leur pays formateur. Ils mettent un point d'honneur chaque année et depuis de nombreuses années à porter les couleurs de l'équipe de France. Et ça, je trouve que c'est vraiment les valeurs de l'olympisme. Les valeurs, c'est celle du partage, du goût de l'effort, du dépassement de soi. Et ces valeurs-là, c'est vraiment celles qu'on essaye de développer en EPS. L'objectif, c'est pas de faire des champions, mais c'est au contraire d'aller essayer de voir au fond de soi ce qu'on est capable de proposer et de se proposer à soi-même comme effort, comme performance. L'objectif, c'est que chaque élève arrive à trouver sa propre performance. Et je pense que c'est ce qui peut les rapprocher le plus de l'esprit olympique, le plus antique, on va dire. Parce que l'olympisme a bien évolué aussi, mais c'est arriver à faire en sorte que les élèves essayent de performer par rapport à eux-mêmes. Dans les collèges notamment, on essaie de les former aussi humainement et de faire en sorte qu'après 4 années de scolarité dans un collège, on commence à apprendre à être la personne que l'on souhaite être plus tard. Et ça, c'est important.